J'ai lu un livre qui faisait comprendre pourquoi nous n'en pouvons plus du Père. Nous vivons une époque formidable parce que nous sommes en phase de sortie de l'âge du Père. Maintenant, nous ne pouvons plus le méconnaître. En termes de perversion, chez Lacan, ce n'est pas fait pour favoriser la ségrégation. C'est au contraire pour indiquer que tout désir a ce biais. Par là, on aperçoit que l'Œdipe n'est pas du tout la solution unique du désir. Il a été jusqu'à présent sa forme normalisée et sa prison. Ceci dit, la question, c'est, comme disait Lacan encore, c'est le pire ou pire. C'est-à-dire, rien ne nous assure, rien ne nous dit que ça sera tellement mieux. Et si les analystes ont à dire quelque chose, ça n'est certainement pas dans le sens d'arrêter l'histoire à un ordre patriarcal qui se défait, sans que pour autant nous ayons à promettre le bonheur pour demain.